C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde, comment nous y est? Il y a une grosse évolution qui a fait dans le cadre de ce assassinat président Jovenel Moïse. Mario Palacios Palacios, un principal suspect qui était sauvé, qui était échappé pour lui, était arrêté dernièrement là dans le pays Jamaïque, eh bien, lui sur route. Restez là, toute dernière information à venir joindre nous dans un petit moment. Zéro tolérance, c'est nouvelle formule. Premier ministre Ariel Henry parlait. Qui ça le dit? Malgré que bandits ont continué pour la plus belle à taille banda, à terroriser population, à faire victime dans la population civile. Ça n'a pas empêché promesse continuer à faire. Ça n'a pas empêché PNH à continuer à faire un changement. Mais population pour jamais en mesure pour aller en souffle. C'est autant d'informations que nous portons pour aujourd'hui, hein, sans que nous pas oublier dans la rubrique qui sauve les. On a continué avec l'intervention que le public a lui-même, là bien pour le faire. Qui sauve les, vindi qui sauve les pour le pays, hein, vindi qui sauve les pour la communauté, hein, vindi qui sauve les pour changement haïtien. Hein. Déjà, je m'invite à partager l'émission avec tout compte à coup. Nous ne parlons pas les pays. Nous prenons le fait débat. Eh bien, je dis en là, moi j'ai deux produits, je viens présenter nous. Bagay sérieux, net, pas gain menti dans ça. Une pommade qui rele gain zouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger pénion. Ah, ça t'a dit ça. Donc, monsieur, madame, nous sauver. Donc, pas de question plein et zouti monsieur, li piti, li kout, la baye problème. Non, gain zouti là, la aide ou. Entre 30 à 90 jours, ou après 3 à 5 cm. Plein, fini, corvéa, fini. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est produit tout à fait naturel, 100% organique. Et d'ailleurs, tout le monde qui a servi avec, tout garçon entre 15 à 75 ans, ou qui a utilisé 15 outils, ou a besoin bon genre résultat d'ailleurs. Pommade la palais de li déjà. Pommade la palais pour tête li déjà. Deuxième produit, li rele genbon. Son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles. Li la li même, la pour revitaliser quoi, la pour augmenter libido, la pour augmenter érection, la pour augmenter bon. Nous d'ailleurs, non, on parle de li genbon. Koun ya ka pran médicament ça, ou ap gen bagay nan mon pour frapper. Donc, monsieur, dame, pas nan fè corvée, pas nan fè corvée à la, parce que gen produit pour vous, m'pote produit pour vous, ou karele nan 37-55-46-06 sou en Haïti, 37-55-46-06 sou en Haïti, ou bien tout sou nan international, ou karele nan 514-886-97-76, 514-886-97-76, ou bien visitez website là pour plus facile, www.zestofmoringa.com, zestofmoringa.com. Regardez là qui passe dans l'écran, relé écrit, mes amis, al prend produit yo, ou ba moins résultat yo nan bon ti mamite. Mario Antonio Palacios, c'est non yon principal assaillant que la police a cherché dans le cadre assassinat ancien président Jovenel Moïse. PNH a passé près de 3 mois à chercher Palacios jusqu'à ce que la joigne arrestation dans le pays Jamaïque. Maintenant, ça pour nous connaître, dans le rapport d'enquête que le CPJ a rédigé, Antonio Palacios, c'est un nan moun ki gen plus lien avec assassinat Jovenel Moïse. Puisque chaque lot individu, chaque lot inculpé kap bay rapport yo, kap bay témoignage pa yo, yo tout yo tourné yo vers Antonio Palacios Palacios pou yo dou, li se youn nan kat moun ki te rentré nan chambre président Jovenel Moïse, li se youn nan kat moun ki t'a passé l'ordre, li se youn nan kat moun ki te gen plus information de sa k t'a pral fèt la. Kounya, comment citoyen ça
citoyen colombien ça, comment te gen tan fait quitter Haïti pour la réfugier jusqu'en Jamaïque. Et c'est là tout yo arrêté parce que li fait rentrée illégale. Qui côté le passé, qui est-ce qui t'a aidé? C'est autant d'informations qui essentielles aujourd'hui pour PNH la connaît, pour DCPJ connaît, qui pral utile dans cadre enquête que a mené sous dossier assassinat Jovenel Moïse. Maintenant, gon bagay qui est extrêmement important. Haïti pote ko jam de manière officielle mandé extradition Mario Antonio Palacios. Et pour qui ça yo pas de jam fèl? Parce que ni avec Jamaïque ni avec Colombie, Haïti pa gen un traité d'extradition que l'te signé. Maintenant, comment yo pral fè pour yo voye Palacios en Haïti? Comment yo pral fè voye l'ba autorité et judiciaire nou yo pour yo interroger, pour juge instruction auditionnel, etc.? Imaginez-nous bien. Si pa gen un traité d'extradition avec ni Jamaïque ni Colombie que Haïti te signé, li paraît extrêmement difficile pour yo ta extrader et Mario Antonio Palacios pour yo voye l'ba Haïti. Cependant, te gon mandat international que yo te lagué des individus colombiens ça des assassins ça qui rentrer en ligne de compte et nous pral considérer le tout. Parce que une fois que yo te maré Palacios, gouvernement américain te gen temps mandé à ce que Jamaïque extradé le bayo. Parce que et Jamaïque avec États-Unis yo gagne traité d'extradition de même que et Colombie avec États-Unis yo gagne traité d'extradition que yo signé. Je dis en là et Claude Joseph était obligé de manière formelle li mandé transfert Mario Antonio Palacios. Mais c'est pas extradition. Dans le cas de l'entraide judiciaire, gouvernement haïtien, l'État haïtien mandé pour Jamaïque ta voyer Palacios, Palacios Bayo. Alors que gouvernement colombien lui-même li te gen tan mandé Jamaïque pour yo extrader Mario Antonio Palacios, Palacios Bayo. Donc quelque part vinn senti gon bataille diplomatique k'a fait. Gon bataille et juridique tout qui a fait si nous mettez le constat. Pour qui ça? Parce que là, leur propre exemple et Jamaïque avec Colombie qui gagne traité et d'extradition que aussi. Donc on t'a dit tout peut-être que si Jamaïque t'a gagne pour le voyer et Palacios, il t'est qu'à voyer Palacios by soit Colombie ou bien et by États-Unis puisque c'est eux même qui gagne un traité d'extradition avec eux qui signe. Cependant, Palacios yo arrêté le Jamaïque, yo pas arrêté dans quatre dossiers qui gen pour avec assassinat président Jovenel Moïse. Yo arrêté parce que li rentré illégalement sous territoire jamaïcain. Donc si yo pral juge là, yo pral condamné, il y a condamné pour infraction que le fait dans Jamaïque qui s'est entré illégal. Maintenant kounya nan sa ki gen pour avec enquête sur assassinat Jovenel Moïse en côté que Palacios te gon mandat international d'elle, ça c'est autre chose. Nous pral considérer coopération, nous pral considérer entraide, nous pral considérer rapport bien relation diplomatique qui gagne entre différents pays ça yo, qui ça yo pral prioriser. Le fait que c'est dans cadre mandat international et que jodi an la l'op prend États-Unis qui doit la coopérer avec Haïti pour permettre à ce que justice baille sous dossier assassinat Jovenel Moïse, yo mandé Jamaïque et Palacios. Donc, il est certain que si yo pas extradé vers les États-Unis pour les États-Unis t'avoyer et Palacios Haïti, c'est sûr que dans cas de transfert, dans cas de demande officielle ou bien formelle que Claude Joseph fait avec et homologue jamaïcain, yo ka prend ça en considération par rapport avec statut Jovenel Moïse, un ancien président qui a assassiné la Kaili, un ancien président et qui était en fonction. Donc il y a un ensemble de paramètres que nous ka considérer. Et il est évident aujourd'hui pour nous comprendre que Palacios youn principal suspect ça aujourd'hui yo utilisé de plusieurs façons. Non seulement
moun sa yo ki te embauché, ki te employé, ki te bal mission pour venir entrer dans pays, venir assassiner Jovenel Moïse, yo utilisé l, mais tout par la science rentre dans une situation côté que gen moun en dedans dans même système là, gen moun jodi an là qui favorisé par la science pour le cacher pendant tout temps ça, qui favorisé par la science pour le quitter pays, pour le vivre juste en Jamaïque. Qui est sûr? Il est extrêmement important pour Palacios retourner dans le pays. Et le plus vite que possible, que Jamaïque réponde avec entrée judiciaire ça, pour permettre à ce que, je dis, il y a quatre dossiers ça, qui ont avancé qui fait, et Palacios qui a répondu avec des questions essentielles sur le dossier, il faut qu'il rentre. C'est coopération qui pourrait permettre que gien avancer dans quatre dossiers. Et si c'est bataille diplomatique qu'a fait, c'est sûr que jodi an la Palacios pa jamais rentrer Haïti. Mais dans cadre en véritable entraide, dans cadre en véritable coopération entre ni Jamaïque, ni Colombie, ni États-Unis, gien nécessité pour voyer Palacios le plus vite que possible. Nous croyons notre travail que le Joseph a fait là, notre travail que l'y entreprend là, côté que de manière formelle, l'y voyer de mon Dieu aller. Et sous peu, il aura transféré Palacios pour lui répondre à la question. Et c'est sûr que, ou aura lui réaliser dans quatre dossiers ça, côté le Palacios rentré dans le pays. Ou pral vin comprendre que l'on n'a pas parlé de crime transnational qui fait sous Jovenel Moïse. Et récemment, m'attendé ancien colonel Imler Ribu qui a dit que l'assassinat Jovenel Moïse yo ka assimilé avec une évacuation que pays États-Unis complice dans que communauté internationale dans l'ensemble participé. On dit tout bon. Si jodian là c'est vision ça, si jodian là c'est idée ça qui gagne sur assassinat Jovenel Moïse, comment nous pral arriver dans une situation côté que même États-Unis ça, même Colombie ça, et yo pral vinn dire que yo pral faire coopération, yo pral faire entraide pour permettre à ce que vérité en prend la rue, pour permettre à ce que Jovenel Moïse joigne justice. C'est une force parce que quelque part si nous quitter action passé, quelque part si dès le départ nous pas de coopérer, nous pas de bailler ensemble des formations, puisque nous connaît différents monsieur Sao qui fait partie de peloton, différents monsieur Sao qui constituait groupe ça qui était rentré quand Jovenel Moïse 7 juillet pour assassiner, nous connaît c'est des mercenaires entre guillemets yori. Nous connaît c'est des anciens retraités de l'armée, nous connaît c'est non yo travaille dans cadre milice, nous connaît qui ça yo yé, nous connaît niveau et dangerosité yo, tout ça ça pas t'empêcher que yo quitte pays hein, ça pas empêcher que yo passe République Dominicaine, ça pas empêcher que yo rentre en Haïti, pas gen youn nan pays ça qui alerté autorité haïtienne yo. Et c'est le cabrit fin passé qu'on y a tout à tout, faut que ferme barrière, faut que vérité baille, faut que entraide, faut que coopération. Donc ou vin sans tout vulnérable par rapport avec tout aller venir ça yo, par rapport avec tout et les ondis ça yo qui gagne là, parce que véritable bagarre c'est qui ça lié. Jovenel Moïse assassiné dans un contexte et politique difficile. Jovenel Moïse l'a assassiné dans un contexte et diplomatique extrêmement encombrant. Encombrant pour qui ça et il y a plusieurs éléments qu'on a considéré selon rapport diplomatique Jovenel Moïse et te prétendre initié avec différents autres pays, la Turquie, et rapport diplomatique qui était prétendu et initié avec la Russie. Donc et, si Jovenel Moïse était vivant là, c'est sûr que et très bientôt nous avant l'aller l'autre qu'attendait il rentrer dans relation diplomatique avec Iran, Irak, etc. C'est pas impossible, ce sont des pays, mais quelque part au senti ça qui gagne pour avec relations diplomatiques, ça qui gagne pour avec un pays Haïti qui a convoité et pour un changement et ambassadeur, pour un changement de consulat, etc. C'est sous dictée américaine. C'est Amérique pour dire mais qui est sous qu'à fréquenter, mais qui est sous pas qu'à fréquenter, je dis. C'est exactement ça lié. Jovenel Moïse mourit dans des contextes extrêmement difficiles. Il mourit dans des situations qui suscitaient pour nous poser un paquet de questions. Mais ce qui est sûr, c'est que il mourit assassiné. Il mourit et par des assaillants colombiens qui rentraient là
qui vient exécuter une mission. Mission qui est qui bayol, mission je dis à qui est yo considéré comme auteur intellectuel, c'est des haïtiens, des haïtiano-américains, des monde qui te gen aspiration politique en dedans pays pour venir remplacer Jovenel Moïse. Donc Antonio Palacios ça, faut qu'il rentre dans pays le plus vite que possible. Parce que nous besoin qu'on ait on ensemble des formations que le gagne normal, on ensemble des formations que on est rentré quand Jovenel Moïse pour on t'a chercher sur le rapport d'enquête des CPJ, là on doit t'a chercher document, là on doit te gros appel et vidéo que t'es faite pour identifier Jovenel Moïse, on ensemble des formations que je dis qui paraît et incohérente mais qui supposé vérifier, qui supposé valider, qui doit permettre à ce que enquête là il continue, enquête là il évolue. Je dis en là, nous avons démarche et chaque monde et qui proche à Jovenel Moïse, ils ont entré dans démarche pour chercher justice pour lui par bon côté pal. Premier petit garçon Jovenel Moïse, li gagne démarche pal l'a fait. Martin Moïse avec de l'autre timoun yo, gagne démarche pa yo y a fait. L'essentiel c'est que vérité en li prend la rue pour connait qui ça qui fait, qui ça qui t'est passé, qui est ce monde ça qui t'est payé assassiner Jovenel Moïse. C'est pas seulement en bouche pour n'a dire oligarque corrompu, pour n'a dire et pour n'a indexer X Y, mais c'est la justice je dis qui pour déterminer valablement mais moun yo, mais qui ça nous reproche yo, mais depuis qui les complot fait, mais pour qui raison etc. Faut que la justice qu'a triomphé. Et de pour nous, situation côté que justice li maré, deux pieds maré, juge pas qu'a fonctionné, ou pas qu'a tende inculpé, ou pas qu'a tende moun qui gen accès avec dossier, parce que gen influence politique, gen influence extérieure là-dedans. C'est sûr que toute démarche a arrivé faite, c'est sûr que yon ka toujours tende moun pour yon tende, mais justice li pas jamais baye. Est-ce que Jovenel Moïse a besoin de justice? Ça, nous mettons point d'interrogation sur lui. Mais démarche faite, processus en cours, instruction dossier, li en cours et transfert palacios, li en cours tout. Donc là, nous plus près que nous plus loin. N'attend pour nous voir dans jour qui va venir là yo, qui ça pral fait de manière définitive, de manière concrète pour nous voir qui réelle évolution qu'a gagné dans quatre dossiers là. Dossier insécurité dans pays, Premier ministre Ariel Henry, li te prend la parole pour lui. Et voyez un message très clair by bandi on voit un message by gang yo monsieur ça qui gen gros âme nan mais qui a terrorisé population et pour le couronner le tout il fait comprendre que gouvernement pas dans ces coulées à gang gouvernement pas dans pays gang Ariel Henry lui-même il prend position très clairement que tout ça qui gen pour avec la justice dans pays tout ça qui gen pour même avec dossier Jovenel Moïse li paré pour l'enquêter il paré et pour le bail tout effort possible tout ça le ka fait pour permettre à ce que dossier aller côté le pralier que tout monde pour marier pour marier. Mais le pajan fait référence à lui-même que il est soupçonné qu'il y a une relation avec Badjo Félix, un des principaux auteurs intellectuels. Le Premier ministre, il n'a pas voulu rentrer dans le dossier ça. Mais le dossier qui est pour avec insécurité, avec bandit, c'est zéro tolérance. Zéro tolérance dans le contexte que, et soit bandit et remettre des armes ou bien bandit, il mourit, il est stoppé. J'ai pareil déclaration, c'est ancien président Préval qui t'a fait zéro tolérance. Soit bandit, le remettre zam ou bien on vient ramasser cadavre bandit. Mais l'on fin d'entendre, nous passons 3 jours grève après le Premier ministre a décidé de venir faire parler. Parler Premier ministre Ariel Henry parler, elle pas changer rien. Jodi an la, ou t'es parlé pour dire que et toute bagaille pral rentrer dans l'ordre, pral gè gaz qui pral distribuer. Terminal Varoua an yen pa fait la donne. Ça c'est une. Deuxième bagarre, pas droit voyer message clair by bandi pour dire bandi la police pral et pral stopper la police prend toute initiative CSPN agir etc. pour contrôler l'insécurité en Port-au-Prince. Bandi montre aujourd'hui là, c'est eux-mêmes qui gagne contrôle Port-au-Prince. Regardez ça qui passé hier. Regardez situation qui rivé et dans l'école mais boudon yo. Bandi rentré ouvri zam sou et formation yo fait konnen que bandi yon groupe nèg sou moto tap suiv et yon parent te vin rentre dans l'école là sûrement te al chèche yon ti moun etc. et puis bandi yo suiv li juste nan la kou l'école là yo pété balle
C'est comme ça, parents victimes, élèves victimes et gardiens l'école en victime. Donc, gardez dans quelle situation nous y est. Et dans la zone Merboudon, il y a minimum 3 points fixes. Un point fixe, Bossec Bellevue. Un point fixe, d'habitude, qui est dans l'entrée de l'école Boudon. Et puis, il y a l'autre point fixe qui est en bas de la lumière rouge, la lua. Donc, 3 points fixes dans le périmètre. Côté bagay la passe ya. Ou ap questionner de tout. Ou ap di côté faiblesse PNH an réellement. Comment faire bandi an li an lèz pour la circuler comme ça, la marcher sous moun, pour le rentrer dans miton foule, pour le faire zakli et puis pour l'aller comme si de rien n'était. Réplique policier avec bandi an. Si bandi an pas tombé, c'est comme si c'est en perte de temps. Parce que le qui était victime d'elle, lui même qui vient faire zakli, il pas victime. Donc qui message jodi an PNH an vle voye bay bandi sa yo. Pendant que autorité yo y a bay point de presse, y a bay conférence de presse, récemment là yo mette France LB nan tête la police, jusqu'à date nous pou ko wè première action concrète le poser. Nous pou ko wè. C'est vrai gen différents changements qui fait en dedans et en institution, yo changé inspecteur, yo changé commissaire, etc. Yo changé porte-parole. Là, y a parlant de porte-parole. Là, a gardé Marie Michel, yo remplacé ou retourné Gary Desrosiers dans place, mais Marie Michel Vernier pas taillé pour passer. C'est pas ou senti que li pas doué dans position ça parce que à plusieurs reprises Madame nan vin baye conférence de presse, li vin baye point de presse, ou senti que le pas à l'aise. Li pas à l'aise pour le présenter rapport, yo le pas à l'aise dans interaction la fait avec journaliste, yo le poser le question, le pas à l'aise. C'est comme si des fois nan rapport yo et c'est menti. C'est comme si son rapport yo t'adresse, yo ta vin baye madame nan pour li. Li pas à l'aise soit parce que le pas habitué dans contexte pour vin baye menti parce que gen ti menti kont baye tout. Nous comprenons et son poste qui est extrêmement bien fait pour Gary Desrosiers. Depuis des années, il est posté, il est à l'aise, il est confortable. Il a fait conférence de presse, il a fait point de presse. Où senti que Gary Desrosiers et li kon travay la fè, li kon sa la fè, il est à l'aise dans sa la fè. Et sincèrement, il a retiré Marie-Michel, son poids, il a retiré sous dol. Son fardeau, il a retiré sous dol parce que elle était là, elle était temps pour retirer madame dans la saleté. N'empêche que, je dis à la, véritable besoin institution la police, c'est pour remettre campé à travers des plans stratégiques. Formant enquêter, faire recensement, etc. Il y a besoin, je dis, pour nous connaître qui s'est réglé avec point fiction. Là, nous mettons un groupe police en côté. Nous ne mettons pas là pour faire façade. Nous mettons là pour faire travail. Pas qu'à gagner 3 points fixes dans le périmètre et puis pourtant des bandits hein, li rentrer dans le périmètre de sécurité ça et puis li simen balle sur monde et puis yo aller comme si pas de policier là bon, pour qui ça regarder pour qui ça yo prend policier ça était là qui travaille policier ça yo t'a fait là PNH a un paquet de problèmes. Est-ce que c'est politiser ou politiser PNH qui fait nous arriver dans un contexte extrêmement difficile côté que et policier yo pas ka bay on performance qui acceptable. Est-ce que c'est niveau et pratique policier qui pas en top qui ça cap passer avec la police parce que jodi a bandi marcher sous moun n'importe gens yo vle bandi marcher sous moun matin midi soir par gon le par gon koto en sécurité avec bandi. Imaginons un parent qui veut petite l'école li connaît l'école li veut petite li. Petit li a long cours de rattrapage et puis yon pral rele pour yon dit que petit tout prend balle et on groupe bandit est rentré dans l'école, etc. Qui explication? Ou bien on dans la caillou, bandit rentre, il vient kidnapper la lavande. Qui explication autorité l'État yon gagne jodi? Qui explication autorité policière yon gagne jodi par rapport avec phénomène insécurité en dedans pays? L'op garde contexte. Côté que insécurité l'a évolué là, côté que insécurité l'a augmenté là, c'est sûr que Ariel Henry n'est pas en mesure pour répondre avec besoin de sécurité pays. Nous avons 2 mois de fin d'année. Novembre, décembre. Pour année finie. Donc si aujourd'hui, on n'est pas en mesure pour contenir l'insécurité,
li pral paraître extrêmement difficile pour Fresnel. C'est envlimé, le pral envlimé. Pendant que nous pral parler de 2022, élection pral fête très prochainement, etc. Nous pas gen contexte pour ni élection, nous pas gen contexte pour ni moun penser à même fin d'année, parce que c'est la noirceur absolue. Tout le monde s'est obligé de chercher un petit côté de corps. Tout le monde s'est obligé de mettre à l'abri, mettre à couvert. Parce qu'on ne peut pas côté bandit pour l'attaquer. On ne peut pas côté balmaron absouti. On ne peut pas qu'il est en affrontement pété. On ne peut pas qu'il est la rive pour le bloquer. On ne peut pas rien. Et si nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui pour nous freiner sans gagner comme groupe bandit en dedans pays, c'est évoluer, c'est évoluer. C'est augmenter, c'est augmenter. Et récemment, m'attendais et une information que. Yon nan radio nan capitale nan tabay. Jodi an gon paquet ti groupe gang ki ap grandi, ki pran naissance nan Kware Bouke, yo ap fè kidnapping sou do 400 marozo. An pil kidnapping k'ap fèt nan Kware Bouke la, an pil kidnapping k'ap fèt aux environs de Kware Bouke, gon paquet lot ti groupe gang ki évolue, ki pran naissance. Est-ce que la police gen contrôle yo? Est-ce que la police gen information sou yo? Comment vous parlez pour vous démanteler, ou quelle stratégie vous mettez en place, ça c'est quand même important. Plus vous quittez gang à évoluer, par exemple dans quoi des bouquets, c'est plus chance qui gagne pour une coalition qui fait avec 400 marozo, c'est plus chance qui gagne pour 400 marozo augmenter performance pour le faire recrutement et puis sortant de 400 marozo la vie incontenable. La vie 10 fois plus difficile pour essayer de démanteler, la vie 10 fois plus difficile pour combattre. C'est dans quitter groupe gang évoluer petit par petit, c'est dans quitter et on pas qu'une autorité malgré nous gain information sur yo, malgré nous gain contrôle yo, malgré nous connait qui ça a fait puisque nous choisi politiser toute institution dans le pays, hein? La justice politisée, PNH politisé, donc nègre lycée député, lycée sénateur, lycée conseiller et ministre, lycée conseiller président, li influent par bon côté tel et tel monde dans politique là ou bien tel monde qui fait partie de gouvernement bien de opposition salier, hein? nous pas vle rive sou li. Nous pas vle jodi an rentrer dans situation pour nous manye moun ki mérite manye moun nous konnen réellement k'ap mete violence en dedans pays k'ap alimente bandi ba yo zam ba yo munition nous konnen précisément mais nous pas vle rive sou yo dénoncer pas seulement suffit chaque jour nous ka venir nous dénoncer mais qui travaille la justice pral fè qui travaille la police pral fè par rapport avec dénonciation ça qui fait Josia, on pral vinn mette l'avou en danger. Non souci pour sauver toute en société, non souci pour sauver tout en collectif alors que autorité responsable yo pas jamais prend ça en considération. Yo pas jamais prend travail en considération parce que yo gen intérêt dans violence, yo gen intérêt dans insécurité, yo gen intérêt dans tout ça qu'a fait en dedans pays, nous wè yo fait abstention, nous wè yo fait silence là-dedans. C'est pas sans raison ou pas son semaine là ou pas son semaine côté que on groupe bandi en dedans pays hein précisément l'on prend G9 qui dit que pas gain livraison gaz qu'a fait pendant 3 jours grève annoncée ou pas jamais tendre rien par bon côté la primature pas tendre rien dans bouche Ariel et puis on soirée la nuit dans le job Ariel Henry annoncé que il pral gagner on point de presse il pral bail il pral font petit parler etc. Li parler comme s'il pas jamais dit rien parce que pas jamais il y a aucune situation qui changeait dans ça Ariel Dio. On parler de insécurité, insécurité en li fait carrière valer terrain. On parler de distribution gaz, nous toujours dans même problème yo. Qui ça changer? Lors ces autorités l'ont décidé prendre parole ou parler pour changer en situation. Et en pile fois nous t'ai ça avec président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse là gon paquet de problèmes qui passent en dedans pays hein li fait silence li pas parler pas parler pas dit rien et même le Jovenel vient parler on dirait en pile fois nous pas même prendre au sérieux nous pas même prêter attention avec point de presse ou bien conférence de presse la baillon parce que nous connaît déjà ça le pral dire pas changer en rien effectivement le vient parler ça pas changer en rien dans situation pays c'est de même ou senti Ariel Henry jodi là nan place ya la li pa ka fè travail lan non seulement li pa ka fè travail lan mais li attaché li kembe li akapare le primature li akapare l'exécutif lan non souci pou le fè pou le fon groupe moun plaisir parce que je dis an a ki profite
et la fonction de Ariel Henry. Qui est-ce qui a tiré avantage de fonction Ariel Henry? L'opposition politique. C'est l'opposition qui a bien passé, c'est l'opposition qui est en sécurité, c'est l'opposition qui est à l'aise, il est à l'aise qu'on blaise. On s'en fout du peuple, on s'en fout des besoins du peuple. Nous mettons à mourir dans l'insécurité là, nous mettons à mourir en bas violence, nous prenons balle chaque jour, ça parmi les véritable priorité là, c'est fait, c'est montrer communauté internationale là gain volonté. Il y a montré monde dehors gain volonté, mais peuple en véritablement pas jamais moi qui volonté gain pour changer quoi que ce soit. Et c'est dans mauvaise conscience ça, et c'est dans mauvaise pratique ça que finalement si nous pas décidé vraiment à un certain moment pour nous dire c'est assez avec et politique usurpation ça que autorité l'état a fait là. Pour nous dire c'est assez avec magouille politique qu'a fait là yo, c'est rester n'a prêter n'a pour Ariel Henry. Il passe 2 ans transition là, pas jamais rien réglé et c'est empirer situation nous vient empirer. Il est extrêmement important. Il est extrêmement important pour nous connaître que gros changement de système qui mérite fait. Changement de système n'a pas seulement impliqué changer autorité parce que regardez, je nous t'a demandé OK, faut que yo changer Léon Charles. Léon Charles incompétent, faut que je change. Changement Léon Charles jusqu'à date là, il peut porter résultat, il peut porter fruit. Un changement de système, il doit passer par un changement même de la compétence. Ou changer système là à travers de mon mettre la dedans, monde qui capoter résultat positif, monde qui gagne expérience, monde qui gagne expertise. Expérience c'est pas seulement et ou là ou passer 5 ans dans cette institution. C'est pas seulement et un tel te metto parce que côté bon ou te gain et telle référence. Faut qu'on expérience morale. Tout ça rentre en ligne de compte. Jodi an là, nous prend en bas trop nèg, en bas trop vol, en bas trop assassin, assassin qui yo même yo ka gen bel palmarès, bel parcours et nan administration publique là, mais réputation yo entaché. Réputation yo tellement mauvaise que je dis là, si on parle de X, on parle de Y, ou obligé faire référence avec un groupe gang que a financé, ou obligé faire référence avec un groupe gang que a alimenté, un groupe gang qui a travaillé pour yo, c'est pas normal. Donc au final, on comprend je dis là, tout pays qui a fonctionné, c'est justice yo qui performant. Et depuis la justice a marché bien, a toujours gain sécurité parce que on a une façon pour dissuader délinquants, on a une façon pour dissuader tout le monde qui besoin font bagaille qui mal qui pense qu'il va rester impuni. Il y a une justice qui fort, donc là ça tout le monde a marché sous 13 heures pour pas piler 14 heures. A gain sécurité, depuis gain justice a gain sécurité. Depuis gain justice a gagné et économie a avancé, a gain progrès économique qu'a fait parce que a gain sécurité, a gain investissement, a gain investisseur qu'a venu. Donc tout bagat marche bien. Je dis si tout bon nous voulez faire pays, faut que nous commencer repenser système justice noir. Faut que nous commencer repenser institution la police. Faut que nous commencer repenser avec autorité ça dans figure nous là, yo pas gain place yo. Et dans rubrique qui sauve les qui sauve les pour Haïti, qui sauve les pour communauté, qui sauve les pour tête comme haïtien, on va attendre plusieurs intervenants qui ont même pral dire qui ça ouvrir pour pays. Tout pendant semaine là on attendait en question de conscience citoyenne. Faut qu'haïtien prenne conscience pour pays avancer, faut qu'haïtien prenne conscience pour autorité prenne conscience pour sécurité en carbon etc. Et bien là qui ça participants au gain pour jodi nan rubrique qui sauve là. Nous pral tande, nous pral passer avec premier participant nous pour jodi là et c'est sûr que li gen un paquet de bagaille pour di mbral tande avant, mbral fò tande et puis après nous pral fò ti commentaire tout petit son intervention. En nous tande premier participant. Moi même point de vue pas voulais faire passer pour situation pays d'Haïti étant comme yon k'ap vive nan diaspora, ça frappe m'en pile. Je senti honte. Je senti franchement, je n'ai pas de bouche pour me parler devant pièce monde pour la situation du pays d'Haïti. Haïti, il y a une solution. La solution du pays d'Haïti, c'est dans mais nous-mêmes liés au peuple. Ce n'est pas l'autre monde qui peut faire pour nous, mais c'est nous-mêmes, peuple haïtien. Si nous n'avons pas de conviction, nous avec l'autre. Nous n'avons pas de confiance, nous avec l'autre. Le pays d'Haïti n'a pas changé. Nous n'avons jamais une solution. Pas de problème qui n'a pas de solution.
tout problème gen solution, mais problème solution c'est nous mêmes qui pour chercher. Une fois que nous réunissons ensemble, nous mettons tête nous ensemble, nous cherchons la paix et puis nous cherchons faire élection pour pays d'Haïti, ça qui est bon pour pays là, c'est pas chercher moyen pour nous détruire pays là, pour nous déstabiliser pays là façon nous faire là. Jovenel t'a mené pays à yon façon correcte parce que li retire tout gros contrat nan men nèg oligarchi corrompi sa yo, c'est pour ça nous tuyèl. Mais jounen jodi a Haïti gen solution. Solution c'est mettre nou ensemble faire élection. Si nous rete ap gade sous l'autre nation, sous États-Unis, États-Unis tuyèl ap tuyè nous. États-Unis pas fait rien pour nous. Solution pays nous, c'est nous-mêmes, entre nous-mêmes qui pour changer. Bien. Et pour mes participants là, ils font long discours, entre long discours. Solution pays, c'est nous-mêmes, nous, liés comme haïtiens. C'est vrai, c'est pas l'autre nation, c'est pas l'autre pays, c'est pas États-Unis, c'est pas corps groupe, c'est pas eux qui peuvent changer Haïti. Ils font partie et deux mondes qui ont été dictés. Data Haïti fait partie de la communauté internationale. Data Haïti fait partie de l'ONU. Nous là, nous toujours dans la même situation, nous toujours dans la même position. Alors que l'autre pays a eu a évolué, a avancé, il a fait progrès scientifique, il a progrès économique, etc. Donc nous-mêmes on dirait que nous condamnés dans misère ça, nous condamnés pour gain stabilité en dedans pays, ça qui passé. Et bon choix nous pas fait. Autorité nous pas choisi ou bien. Donc là, vraiment, il faut que nous commencions à lever camper pour nous choisir la meilleure option qui est bonne pour nous, qui est bonne pour le pays en tout. Ce n'est pas seulement arrêter de garder sous le monde et ça, il va le faire pour nous, etc. Mais qui ça nous-mêmes nous paraît pour nous faire pour le pays? Nous allons passer rapide, vite, avec la deuxième et dernière participante pour aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas vraiment de temps. Pour nous mettre plus de monde, pour nous faire plus de monde participer dans l'émission aujourd'hui. Mais c'est sûr que, et pendant cette semaine-là, il y a plus de monde qui a participé. Et quand ça tourne, même qui a un message, vous voulez faire passer qui sauve pour Haïti, qui sauve pour la communauté, ou même qui est en Haïti, ou même qui est dans la diaspora, pas hésiter. Écris-nous, relez-nous sur le numéro émission. Mais qui ton message, qui ton message audio en voice, pour dire exactement le message que vous voulez voir pour l'autorité. Qui gagne pour avec un changement Haïti. En nous tendez participant ça avant nous mettons fin dans l'émission. Oui, bonsoir Taxin Sané, bonsoir Yannick, bonsoir tout le monde. Comment nous? Bon, je dis encore, c'est un privilège pour moi en qualité d'haïtien et qu'a suivi vraiment de près et qu'a analysé même ça avec tout le monde et qu'a essayé écouter les commentaires des autres et comme ça tout pour capable parvenir nous à un résultat pour le pays. Et chaque monde a son mot à dire vraiment dans la situation actuelle pays. Pays a trouvé dans un carrefour côté que nous sentis que l'IPAP dirigeait cette. Mais de toute façon que nous te connais que depuis après la mort du président et depuis nos premiers ministres ont été impliqués. Non, il était indexé dans l'assassinat, qui était doué lui-même, senti que l'inconfortable pour prendre des décisions. Et par conséquent, ce que nous avons dit, effectivement, le Premier ministre, là, ce n'est pas parce que le père a répondu dans le CPJ, ni devant le commissaire gouvernement. Alors, d'ailleurs, c'est parce que il y connaît ça le dire. Et l'arrivée, c'est ça le dire par la face. Lui, et lui-même, étant que Premier ministre, il y a tout à perdre. Parce que saleté d'Yamachoa, c'est ça le problème. Ce n'est pas aller devant du CPG, ni aller devant le commissaire gouvernement, ni aller devant le juge Gary Aurélien. Mais c'est ça l'idée d'IA. Deuxième bagage qui est drôle,
que nous gardons nos pays à négocier accord sur accord et des quatre accords. Des quatre accords sur table. Et tout accord ça, c'est dans la nuit du 6 ou 7 février, tout accord ça a été monté. Chaque nègre de nos hôtels différents, chaque nègre de bail, nous bagaille différents. Mais plus gros accord, c'est accord Montana. Et accord Montana, c'est lui-même s'il appliqué, c'est vrai. Qui t'a baillé une grosse ouverture. Donc, tu as pu voir qui est-ce qu'un président, qui est-ce qu'un premier ministre, qui est-ce qu'un tout bagage, mais à cause à gâcher par rapport à où il fait, et en plus, qui t'a tendu, c'est pas résultat qui arrivait parce que je te comprends, Dieu, Jovenel, c'était une fin finie, et je t'ai pas séparé l'État. Ça, c'est ça qui n'a encore Montana. Et c'est pour cela que, ouais, Badio, l'Elté n'a pas les recettes et l'Elté le premier ministre Ariel Henry. Premier ministre Ariel Henry était dans Montana. Ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là que ça sortit. Mais Ariel Henry, qui fait, il n'a pas essayé de stabiliser les premiers statistiques, et stabiliser sous accord Montana, il fait un accord qui plus large, parce que, comme on dit, chaque connaît, rat connaît, Barik Matégla a obligé de rester grand ouvert. Par exemple, l'autre accord, ou est-ce que tout le monde a cherché pour faire un accord unique là, et il n'y a pas besoin d'un accord unique, parce que il y a un pile poste chaque nègre voulait, mais qui déjà baille déjà, qui déjà distribué déjà, et nègre lui-même n'a accord ça, que vous voulez un accord inclusif là, et n'est pas gagné un pile poste encore à prévoir, parce que bagaille la reine. Je dis, il faut nous rendre compte que peu importe, peuple a souffert, il faut le souffrir. Bien, gros déclaration faite. L'essentiel, c'est que je dis en là, nous face avec une situation, côté que même monsieur Sayo, qui t'a pris les abats Jovenel Moïse, il n'y a pas de prêt pour collaborer avec Jovenel Moïse, il n'y a pas de prêt pour chita parler avec Jovenel Moïse. C'est eux-mêmes qui font partie de l'accord primature, là. C'est eux-mêmes visiblement qui mettent tête ensemble pour faire l'accord Montana. C'est eux-mêmes qui font partie de peine. C'est eux-mêmes qui dressent un accord dans la société civile, là. Le seul perdant, c'est Jovenel Moïse. Jovenel Moïse est perdant parce que c'est lui-même qui a assassiné, c'est lui-même qui a tué, c'est lui victime, c'est lui qui parle encore. Et si peuple haïtien, par rapport avec toute situation ça et par rapport avec tout accord ça qui a défilé devant Dieu nous là, donc on prend la nécessité pour comprendre ni opposition ni gouvernement ne peuvent pas régler rien qui n'a intérêt, rien qui est bon pour aujourd'hui là. Mais qu'on y a, tout nèg sa qui te fait partie de l'accord en septembre et l'accord primature Ariel Henry, yo décidé qu'on y a là, gon nouvelle formule, gon nouvelle formule pour la ria, débarrer Ariel Henry. Que le fusion, que le SDP, que le VEO, que l'ensemble nous fort, principal parti politique sa yo, commencer à mettre les militants sous le monde encore. Tout militant va retourner sous le monde. Militants, ça a une bataille qui a été consacrée et accorsillée. Ils ont une lettre qui a été baillée. Ils n'ont même pas joué une copie qui a été baillée. Militants, ils ont pris le reprendre le travail. Nous pensons que c'est sans raison qui fait réelle et bagaille à débarrer Ariel Henry. Parce que dans l'opération débarrer Ariel Henry, c'est une initiative côté que tout le monde aujourd'hui qui campe en face à Ariel Henry, que on fait partie de propre gouvernement Ariel Henry, que on en société civile, que on c'est population haïtienne dans tout. Des pour pas militants, eh ben pendant toute semaine là on prend gain bagaille dans moi parce que militants yo, yo prend le béton pour dou baio Ariel Henry, Ariel Henry a bien travaillé. Alors que aujourd'hui nous en situation côté que nous face avec réalité hein. Nous, ouais, Ariel Henry, il n'y a pas qu'à bailler résultat. Mais ça n'a pas empêché qu'on groupe mondial qui pral fait propagande pour lui, pour yodou, Ariel Henry a travail, Ariel Henry vle travail, c'est nous-mêmes qui bloquons. Tant que l'on a fait revendication, nous dit que, gen grève, nous pas prendre la rue. Puisque galon gaz monte $400, nous pas prendre la rue, nous pas gen l'argent pour nous payer, on trajet. 500 goud, nous pas gagné l'argent trajecté 50 goud. Kounia al passé 500 goud, trajecté 15 20 goud, li passé n'importe 100 goud. Nous pas gagné l'argent pour nous payer. Moun sa yo pral payer comme militant pour yo dou, yo pral prendre béton pour yo défendre Ariel Henry. Yo pral vinn terroriser ou même comme citoyen k'ap revendiquer.
Comme haïtien qui pral revendiquer intérêt, qui pral revendiquer la vie chère, mise, insécurité, chômage là dedans, ou pral jwenn un groupe militant que Ariel Henry gagne d'elle, que SDP pral payer, que Fusion pral payer, que VEO ensemble nous faut pral payer pour défendre Ariel Henry, pour défendre yo qui fait partie de l'accord et primature là. Ou face avec une situation côté que tout nèg sa, tout monsieur dame sa yo même jodi a qui conscient qui ont besoin de sécurité en dedans pays hein, qui conscient qui ont besoin et fok situation pays hein, fok li débloqué, ok, fok travail reprendre, fok l'école reprendre, fok tout moun kavake avec activité yo, mais pour ça fait, pour ça arriver fait, fok Ariel Henry en mesure pour le bay en réponse, fok Ariel Henry en mesure pour le prendre responsabilité, mais côté responsabilité il a. Et le pire dans tout ça, l'op considère Ariel Henry comme premier ministre. Ou gade Ariel Henry qui font intervention, qui a pas adressé là avec peuple haïtien, cap bay peuple a espoir. Yon bon. Ariel Henry vient parler pour un barbecue, li prend la parole pour deux. Et tout ça Ariel Henry vient dire lui-même, li contredit tout. Et comme si ça Ariel Henry dit yo pas gain valeur, pas gain place. Et jusqu'à date, l'op gade Ariel Henry parler, pas jamais gain action qui posé, pas jamais gain action concrète qui fait vrai. Qui est-ce qui autorité légitime nan entre yo deux? Entre barbecue Ariel Henry, qui est nous ouais qui gain autorité passer l'autre? Qui est nous ouais qui semble plus légitime que l'autre? C'est pas que m'a fait promotion pour G9, c'est pas que m'a fait promotion pour barbecue, c'est pas que m'a fait promotion pour gang en dedans pays. Ce qui est sûr, c'est que par rapport avec tout et laisser frapper ça qui gagne entre gouvernement et groupe bandit et qui a terrorisé population aujourd'hui, nous ouais monsieur bandit est plus confortable. Yo plus confortable pour yo douce à Abdoulan, ou vle tendel ou tendel ou pas vle tendel ou pas tendel, mais yo prouvo à clair que yo même leur dit ah c'est allié. Alors que Ariel Henry leur dit ah c'est allié, li dou courir ou mettre marcher plutôt. S'il ta dou tout ah papa ici demain là nous mettre prendre la rue Henry et nous safe. Comme si nous vle nous pas besoin sortir. Parce que parole Ariel Henry li pa fait poids sur balancer parole li presque pas gain valeur pour me pas dire parole li pas gain valeur même puisque le parler li gain ministre qui tendel li gain secrétaire d'état qui tendel qui exécuter ça le passé comme l'autre sauf que jodi an la groupe bandi qui en dedans pays en groupe bandi qui constitue G9 famille allié yo pas gain pour tendre Ariel Henry yo pas tendre Ariel Henry et ont montré que définitivement Ariel Henry li pas gain place li dans tête primature, il pas une place dans tête exécutif là. Que on veut le que on pas veut le que on quoi que on pas quoi Ariel Henry jodian là, c'est un premier ministre illégitime par rapport avec consistance bandi en dedans pays, par rapport avec position bandi en dedans pays, par rapport avec sa bandi rien comme stratégie. Non seulement ministre a courir pour bandi, premier ministre a courir pour bandi. Peuple a couru pour bandi. Donc qui est-ce qui gagne? Qui est-ce qui gagne légitimité en dedans pays? Qui est-ce qui a dirigé pays? Qui est-ce qui gagne contrôle pays? Premier ministre Ariel Henry, ballon a pu jouer. En attendant que peuple yo prend décision pour yo retirer nous dans figimoun, pour yo voyer nous al non coin parce que nous pas ka bay service, nous pas droit là toujours. M'ap gade ou m'ap gade. L'essentiel c'est que gon travail qui mérite fait, gon travail qui doit fait et faut nous conscient que pas grand rien cap changer en Haïti, pas grand rien cap changer dans pays. Diaspora qui veut impliquer dans changement pays, c'est pas seulement des on téléphone, c'est pas seulement dans faire commentaire, mais c'est poser toute action qui positif yo. C'est prendre initiative qui positif. C'est commencer regrouper nous, c'est commencer collaborer ensemble, c'est commencer coopérer. Tout ça qui gagne pour avec changement Haïti, tout ça qui gagne pour avec progrès Haïti, participer là-dedans. Participer là-dedans dans objectif pour changement, mais pas choisir participer là-dedans parce que Intel c'est leader alors que Intel qui leader c'est dans tout la voyer nous, c'est dans tout le pour mettre nous. Non. Faut nous conscient que gen on jodi an qui constitue un véritable piège pour développement pays qui constitue un véritable piège même nan cause bandi an dedans pays choisir avec on va collaborer choisir qui est moun on prend comme leader ou comme chef de file un mouvement que gagne un mouvement que roi fait pour changer Haïti
Moment arrivé pour mettre un bout dans l'émission Mon Éditorial pour aujourd'hui. Principio, n'y pas changer, continuer, garder vidéo, partager vidéo, quitter un commentaire, quitter un like et surtout abonner avec channel là, abonner pour travailler là, car avancer beaucoup plus et comme ça. N'après t'es connecté chaque jour puis plus pour plus d'informations, pour plus d'analyses, pour plus commentaires. Rendez-vous en l'écassé pour demain sur même chaîne là, dans même lieu. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick la même voix, on n'y a pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick là, même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.